saluer l'équipe donc de Nouvelle-Calédonie. Donc pour poser un peu le cadre, les îles Salomon déjà toujours les mêmes chances de se qualifier dans la Coupe du Monde. Simplement féliciter les familles, les sacrifices. Les sacrifices qu'ils ont fait, parce que c'est des joueurs qui vivent du foot 7 sur 7 dans le beach soccer. Avant c'était 6 sur 7. Maintenant avec le beach, 7 sur 7. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on est là, quoi. On est là. Maintenant le score il nous est défavorable, ça touche, c'est un pincement au cœur. On écrit une histoire ici en Nouvelle-Calédonie par rapport au beach soccer. Maintenant, il faut continuer. Donc vous allez continuer ? Ben, le beach va continuer. Ouais. Le beach va prendre sa route, il va continuer. Il faut de l'effervescence, il faut que ça prenne. Et puis c'est festif, vous voyez. Aujourd'hui, le public il est tout le temps à Donf parce que ça va, ça revient, ça va, ça revient. C'est spectaculaire. Et voilà. J'ai vraiment chaud au cœur pour les garçons. Parce que vraiment, 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 ils ont montré qu'ils étaient des athlètes de haut niveau.